belle enfance. Adieu souvenir de mon beau pays. Là-bas déjà le printemps recommence. Qu'il est loin le soleil de l'exil. Qu'il est loin le soleil de l'espoir. Mon nom est Sarah Allen. Je suis née le 1er mai 1692 à Deerfield, Massachusetts. J'ai été capturée par les Autochtones de la Nouvelle-France lors du massacre de mon village en 1704. J'ai ensuite été vendue. Le chemin de l'amour. J'ai envie d'être. Ma famille habitait la Nouvelle-Angleterre depuis plus de 70 ans. Mes arrière-arrière-grands-parents, Richard Kimball et Ursula Scott, sont arrivés en avril 1634, environ 15 ans après les premiers Pilgrims à Plymouth Rock. En Angleterre, Richard devait être une personne importante car j'ai trouvé une image de lui, ainsi qu'une plaque en son honneur, dans l'église Saint-Nicolas à Ratlesden, comté de Suffolk en Angleterre. Une anecdote intéressante au sujet de Richard. Il serait né en 1595 et aurait émigré en Nouvelle-Angleterre en 1634 à l'âge de 39 ans. En général, les immigrants étaient beaucoup plus jeunes. Richard et Ursula étaient à bord du voilier Elizabeth. On peut clairement voir leur nom sur la liste des passagers. De l'exil, qu'il est loin le soleil de l'espoir. Mon Dieu, rendez-moi. Après avoir accosté dans la baie du Massachusetts près de Boston, fondée 4 ans auparavant, soit en 1630. Il se dirige vers Watertown, toujours au Massachusetts. De cette union naîtra ma grand-mère, Sarah Kimball, à Watertown en 1636, un an après l'arrivée de ses parents en Nouvelle-Angleterre. Le 24 novembre 1658, grand-mère Sarah Kimball épouse à Ipswich, au Massachusetts, mon grand-père, le caporal Edward Allen, né le 26 octobre 1633 en Angleterre. La légende veut que mon grand-père Allen était dans l'armée sous le commandement de Cromwell. Je n'ai aucune information sur son arrivée en Nouvelle-Angleterre. De cette union naît mon père Edward le 1er mai 1663 à Ipswich, Massachusetts. Il épouse ma mère Mercy Painter le 24 novembre 1683 à Deerfield, Massachusetts. Ma mère Mercy est née vers 1664 à Newport dans le Rhode Island. Et moi, Sarah, je vois le jour le 1er mai 1692 à Deerfield, au Massachusetts. Adieu mon passé. Mes parents, ainsi que mes 8 autres frères et sœurs, vivions heureux dans le petit village de Deerfield, dans le nord de la Nouvelle-Angleterre. Tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin Lola, tu n'entends pas mon moulin marcher. Montréal, 1703-1704. Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, et Jean-Baptiste Hertel de Rouville, militaire de carrière, discute d'un autre raid possible en Nouvelle-Angleterre.
Il faut dire que c'est la guerre entre la France et l'Angleterre. En Nouvelle-France, les Français font aussi leur effort de guerre. Pour ce qui est de Dorouville, il n'en est pas à son premier raid. Dans sa carrière militaire, il a fait des massacres à Salmon Falls, aujourd'hui la ville de Berwick, dans le Maine. Il fera aussi un autre raid à Casco, près de Portland, aussi dans le Maine. À Deerfield, il prévoit faire la même chose. Pour sa prochaine expédition au Massachusetts, soit mettre à feu et à sang le village et ramener de force en Nouvelle-France le plus de captifs possible, qu'il donnera aux Autochtones comme récompense. C'est lors de ce raid que je serai prise captive. Pour Dorouville, partir de Montréal et parcourir plus de 230 000 ou 340 km sera tout un défi logistique. L'expédition sera faite en hiver, car il est plus facile de marcher sur la neige et les lacs gelés. Départ prévu, février 1704. Il prendra plus de 6 mois à préparer cette expédition. Jean-Baptiste amènera avec lui 50 soldats et environ 100 autochtones, des Hurons, des Abénakis et des Mohawks. À l'aube d'une journée glacée, début février 1704, après avoir assisté à la messe, tout ce monde se réunit au Fort Chambly. En raquettes et en tirant leur équipement en toboggan, ils se dirigent vers le sud, direction Deerfield, Massachusetts. En 1704, il y a environ 300 personnes qui habitent Deerfield. Ils ont défriché et mis des terres en culture, ont construit des maisons, des bâtiments de ferme, un lieu de culte, des chemins. Un village de style européen a pris forme. Mais le malheur rôde. À Deerfield, on avait raison de s'inquiéter, car le village avait été attaqué 7 fois auparavant. Deerfield étant situé au nord des États-Unis, en plus d'être très isolé, était un endroit de choix pour une attaque. Partis de Chambly, au sud de Montréal, les hommes ont fait route vers le sud sur des rivières et des lacs gelés. Ils ont des raquettes, des toboggans pour leurs bagages et des chiens pour tirer leurs traîneaux. Ils ont laissé plusieurs caches pour le retour. Près de la future ville de Brattleboro, ils laissent les chiens et quelques gardes en prévision du retour. Le reste du chemin, ils le parcourent le plus rapidement possible. La surprise est leur arme la plus puissante. Minuit, le village est en vue. Les hommes chargent leurs armes. Les sauvages se peignent aux couleurs de la guerre. Ils envoient un éclaireur. La sentinelle s'est endormie. Le village dort. 4 heures du matin, les assaillants avancent. La neige s'est accumulée contre la palissade en énormes bancs qui permettent de grimper jusqu'en haut. Une 40aine d'hommes l'escalade et saute à l'intérieur de l'enceinte. Ils ouvrent une porte, font entrer les autres. La sentinelle se réveille, tire un coup pour donner l'alarme, mais trop tard, les assaillants se divisent en petits groupes et se mettent à enfoncer portes et fenêtres. Les plaines brûlent, mon cœur chavire, qu'il est à même parfois de vivre. Où est mon ami? Mon ami de cœur, pourquoi ce feu, cette rancœur? Chamaille, chamaille, maudite chamaille,
Shammai, Shammai, maudit Shammai. Est-il blessé, encore vivant? Où est-il mort dans la bataille? Les yeux crevés, la jambe perdue. Ramenez-le-moi, mon crochu. La vie le brûle, mon cœur chavire. Qu'il est amer, parfois de vivre. Méchante France, mauvaise Angleterre. Maudit vieux pays, toujours en guerre. Ce sinistre scénario est vécu plus ou moins dans toutes les maisons du fort. Massacre surtout des enfants et de ceux qui sont jugés trop frêles pour survivre aux rigueurs du trajet de retour. Pillage des provisions. Incendie des maisons, massacre des vaches, des moutons, mise à sac de tout ce qui se trouve sur le passage. À 9 heures, les Français se retirent. Le massacre est terminé. Ils laissent derrière eux 50 morts, dont 15 ont péri dans l'incendie de leur maison. Les autres ont été assommés ou tués à coups de couteau. Il y a aussi un nombre indéterminé de blessés. 112 villageois sont faits captifs. Moi, Sarah Allen, ainsi que ma famille, ne vivions pas à l'intérieur de la palissade. Mon père avait construit une maison au sud de la rue principale, dans la section appelée « The Bars ». Quelques jours avant le raid, j'avais eu la permission de mes parents d'aller coucher chez une amie à l'intérieur du fort. C'est pour cette raison que j'ai été capturée. Aucun autre membre de ma famille n'a été touché. J'avais 12 ans lors du raid. Je me rappelle qu'un Indien m'a prise avec lui et m'a amenée à travers le village. Tout était brûlé. Il y avait des morts et des blessés partout. Les sauvages finissaient les blessés à coups de tomahawk. Je me souviens aussi d'avoir marché hors de la palissade et j'ai été installée dans un toboggan tiré par des chiens. Je ne savais pas où je serais amenée et encore moins que le voyage en Nouvelle-France durerait 3 ou 4 semaines, je ne me souviens plus. J'ai marché en raquette dans la neige et quand j'étais fatiguée, le sauvage, dont je n'ai jamais connu le nom, me déposait dans le toboggan. À pied et dans le froid du mois de mars, nous avons parcouru 340 km en 3 semaines. Un train d'enfer. On nous a d'abord rassemblés au pied d'une petite montagne de l'autre côté de la rivière Deerfield. Là, les Indiens nous ont donné des mocassins pour nous préparer au long voyage. J'ai vite appris que notre captivité était l'affaire des Indiens et que les Français ne s'en mêleraient pas. L'entente était que le premier guerrier qui nous touchait devenait notre maître. C'est comme ça que je suis devenue esclave. Les 112 captifs ont maintenant un maître attitré et notre survie dépendra en grande partie du tempérament et de l'humeur de celui-ci. Nous nous mettons en route. Rendus au sommet de la montagne que nous venons de gravir, nous jetons un dernier regard à notre village dévasté. Première pause. Les guerriers soignent leurs blessés. Un nourrisson se met à crier. Coup de matraque. L'enfant est tué.
Le premier jour, nous marchons 8 kilomètres. Marcher sur la neige est une expérience nouvelle pour nous. On apprend, bon gré mal gré, les deux principes fondamentaux. Il faut marcher à la queue leu-leu, toujours marcher dans les traces faites par l'autre et garder une cadence régulière. Les haltes doivent être brèves pour ne pas causer de refroidissement. Le froid et nos maîtres sauvages sont nos pires ennemis. À la nuit tombante, on s'arrête. Les Indiens montent des tentes et font des lits en branches d'épinette. Nous sommes tous attachés au sol jusqu'au matin. Un jeune homme, dont je ne me souviens plus le nom, réussit à s'enfuir et retourne à Deerfield. Les sauvages nous avertissent que si un autre d'entre nous s'enfuit, nous serons tous brûlés. Le deuxième jour est plus difficile. La femme du pasteur John William, qui avait accouché 6 semaines auparavant, a beaucoup de mal à suivre le groupe qui avance à grands pas. En traversant une rivière, elle tombe et est complètement engloutie. Transie, elle ne peut plus avancer et son maître indien la tue avec sa hachette d'un seul coup. Le quatrième jour, on franchit la dernière étape avant la rivière Connecticut où sont les provisions. Pressé d'arriver, le groupe avance à grande vitesse. 4 femmes épuisées n'arrivent plus à suivre. Elles sont tuées d'un coup sec par leur maître indien. Détail intéressant. Dans ce convoi, nous les captifs de la Nouvelle-Angleterre parlons anglais, les Mohawks parlent Mohawk, les Abénakis parlent Abénaki et les Français parlent français. Après 26 jours de marche, nous arrivons en Nouvelle-France au Fort Chambly, où nous sommes accueillis avec beaucoup d'humanité et logés temporairement chez des Français. Nous retrouvons un mode de vie à l'européenne. Une dame m'aide à me laver, changer de vêtements, dormir dans un lit, manger chaud à la table avec des ustensiles. Après 2 jours, nous reprenons la route. Qu'il est long le chemin de l'exil, qu'il est long le chemin de l'oubli. Non, non, je change de vie, je repars à zéro. En quittant Chambly, nous nous divisons. Les captifs qui ont un maître Abénaki s'en vont à Odanak près de Sorel. Ceux qui ont un maître Huron s'en vont au village Huron Wendake près de Québec. Moi, je me dirige dans une petite bourgade près de Montréal nommée Kanawake, qui plus tard deviendra une réserve. Durant ce long périple traumatisant de 3 semaines, moi qui ne parlais que l'anglais, étant toujours avec mon maître indien, j'ai appris quelques mots en Mohawk, comme Sheko, qui veut dire bonjour, Nyawenkoa, qui veut dire merci beaucoup. Je suis devenue quand même assez bonne. À Deerfield, j'avais plusieurs amis que j'ai revus lors de cette longue marche. J'ai dû m'en séparer et ne plus jamais les revoir, comme Josiah Rising, 10 ans, et Abigail Nims, 4 ans. Plus tard, j'ai entendu dire qu'ils se sont épousés et devenus Mohawks. Ils ont construit une maison à Oka qui est toujours là aujourd'hui. On m'a dit qu'ils ont eu plusieurs descendants connus, comme Paul Martin, ancien premier ministre du Canada, Robert Charlebois, Mario Lemieux, François Legault,
Geltrou, Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême du Canada, Mitsou Gélina. Il y avait mon amie Thankful Steben. Elle aussi avait 12 ans. Un de ses descendants est le comédien Antoine Bertrand. En arrivant à Kanasatake, l'adaptation n'a pas été facile. Commence alors pour moi une longue période de mutation identitaire. Je devrai changer de nom, changer de langue. Il me faudra apprendre la langue française et iroquoise. M'intégrer le plus rapidement possible à mon nouveau mode de vie et m'intégrer non pas dans une, mais deux nouvelles cultures. Les missionnaires me disaient d'haïr mes parents protestants et puritains, car mon âme serait damnée. Dans la vie de tous les jours, je suis devenue une esclave domestique. Depuis les années 1650, la possession d'esclaves était devenue un signe de richesse et de prestige pour les familles amérindiennes. Plus elles en avaient, mieux c'était. J'étais toujours affectée aux tâches domestiques répétitives et ennuyeuses, ce qui permettait à mon maître de faire autre chose. À Kanasatake, je n'ai pas été adoptée par la communauté ni la famille de mon maître. Je suis devenue esclave susceptible d'être vendue ou rançonnée. Je commençais malgré tout à m'adapter à la vie Mohawk. Mais il y a vite eu un changement. Mon maître Mohawk de Kanawake m'a amené à Montréal pour me vendre. Je sais qu'il m'a vendu parce que j'ai vu un échange d'argent entre mon ancien et mon nouveau maître, Jean Quenet. Mon maître indien m'a alors quitté et je ne l'ai jamais revu. Jean Quenet, un riche marchand bourgeois, contrôleur de plusieurs fermes du roi, et aussi propriétaire de fermes dans le Vieux-Montréal actuel, aux alentours des rues Bon-Secours jusqu'à la pointe à Calière. Après avoir visité avec moi toutes ces installations, il m'a amené à sa maison de Pointe-à-Naoui. Plus tard, le nom sera changé pour Thompson Point. La vue sur le lac Saint-Louis était époustouflante. Le domaine de Baconsfield, baie d'Urfée, était immense et le paysage magnifique. Là, je suis devenue plus ou moins une esclave domestique, mais avec quand même beaucoup de liberté. Mon ouvrage consistait à entretenir cette grande maison. Laver le linge, laver la vaisselle et les vitres, acheter tous les produits alimentaires, m'occuper des poules, traire les vaches, nourrir les cochons. Et lors de l'abattage, mon travail était beaucoup plus ardu. Le curé de la paroisse, René-Charles de Brelé, un sulpicien missionnaire, né au Mans en France, harcelait mon maître, M. Quenet, pour que je suive des cours de religion et que je me fasse baptiser pour que j'entre au plus vite dans la religion catholique. Et très important, changer le nom de Sarah Allen, ce nom anglais et puritain, pour un nom plus chrétien. À 12 ou 13 ans, une jeune Anglaise comme moi était déjà trop vieille pour s'intégrer complètement à deux cultures aussi radicalement différentes que celles de la société iroquoise et française. Déchirée et cartelée, j'ai passé le reste de ma vie à errer entre les fragments de mon « moi » nommé Sarah Allen et Marie-Madeleine Hélène.
Après le massacre, la vie se rétablit à Deerfield. John Sheldon fit 3 expéditions en Nouvelle-France pour récupérer les otages. Mon père était membre de la 3e délégation qui vint à Montréal au mois d'août 1707. Malheureusement, il ne m'a jamais trouvé. Baie d'Urfé est loin du centre-ville de Montréal. Avec mon chien Frac, j'habitais chez mon maître à Baie d'Urfé, qui, en plus de tous ses engagements, était chapelier. Guillaume Lalonde, qui demeurait sur une ferme pas très loin de chez nous, venait me courtiser. Et avec la permission de M. Quenet, je l'ai épousé le 27 avril 1710. Nous nous sommes mariés dans la nouvelle église de Saint-Louis-du-Haut-de-l'Île, près du lieu actuel de l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue. Le 27e jour du mois d'avril 1710, j'ai soussigné, prêtre faisant les fonctions curiales de la paroisse de Saint-Louis, donne la bénédiction nuptiale à Guillaume Lalonde, habitant de cette paroisse, âgé de près de 26 ans, fils de défunt Jean Lalonde et Marie Barbarie. Ses pères et mères de cette paroisse et de Marie-Magdeleine Hélène Edeline, âgée de 19 ans, fille de Edad Hélène et Meng Épine, ses pères et mères anglais résidant au village de Deerfield, demeurant en cette paroisse après avoir publié les 3 bans le 6, le 13 et le 20 des 10 mois, et en n'ayant paru aucun empêchement au présent mariage. Témoin, Jean Lalonde, frère du dit époux, habitant de cette paroisse. Michel Brabant, habitant de cette paroisse. De Pierre Sauvé, dit Laplante, habitant de cette paroisse. De Jean-Baptiste Comte, demeurant à Ville-Marie, demeurant présentement en cette paroisse, en qualité de habitant et de plusieurs autres parents et amis, lesquels ont déclaré ne savoir signer de ce interpel suivant l'ordonnance à l'exception de Marie-Magdeleine Hélène, laquelle a signé avec moi, et du dit Jean-Baptiste, comte, lequel a aussi signé avec moi. Signé, Sumi Hélène, RC pour René-Charles de Bresley, Anne-Marie René Guillet, Marie Quenet, Louise Charles. En rédigeant mon certificat de mariage, l'abbé de Bresley n'a pas écrit correctement le nom de mes parents. Je ne sais pas si c'est par mauvaise volonté ou par erreur. Mon père était bien Edward Allen et ma mère Mercy Pinter. Plus tard, en 1760, Amab Cureau devint propriétaire du domaine de Thompson Point. Je ne me souviens pas si la maison a brûlé ou si elle a été démolie. Monsieur Cureau fit construire un immense domaine situé aujourd'hui au 13 Thompson Point. Au sous-sol, on voit encore le solage de l'ancienne maison de mon maître, là où j'habitais. Après notre mariage, nous nous installerons à Sainte-Anne-de-Bellevue, où je donnerai naissance à 4 enfants. En 1717, Guillaume signe un contrat comme engagé pour faire partie de l'expédition annuelle de la traite des fourrures. Le voyage parti de la Chine durera tout l'été. Retour à l'automne. Quand mon mari revint du pays des fourrures, nous déménageons à l'île Perrot, plus précisément à la pointe où l'on venait de construire un moulin à vent
pour moudre le grain. Nous possédions le lot 120, situé à peu près au centre de la grande anse de l'île, devant le lac Saint-Louis. À proximité, le lot de mon neveu Antoine Lalonde, fils de mon frère Jean-Baptiste. Et de l'autre côté, il y avait celui de François Laplante. Là, j'ai donné naissance à 6 autres enfants. Nous avons vécu à cet endroit jusqu'en 1727. Malheureusement, à cette époque, les maisons étaient construites en bois. Aucune n'a survécu au temps. Nous déménageons encore, cette fois vers les Cèdres, dans la paroisse de Saint-Joseph de Soulanges, où j'ai eu 4 autres enfants. Guillaume décède le 21 août 1752 et moi le 26 décembre 1764 aux Cèdres. Nous sommes mis en terre au cimetière Les Cèdres. Ce cimetière fut abandonné lors de la construction de l'église en 1780. 600 personnes ont été enterrées là. Toutes les épitaphes étaient de bois. Aucune n'a résisté à l'usure du temps. Le cimetière était adjacent à l'actuel barrage électrique des Cèdres. Ce terrain appartient maintenant à Hydro-Québec et est complètement clôturé. Il est aussi probable que ce cimetière ait été submergé lors de la construction du barrage. Il est impossible d'avoir d'autres informations d'Hydro-Québec. Paroisse Les Cèdres, Saint-Joseph de Soulanges, sépulture de Magdalene Helen, alias Sarah Allen. L'an 1764, le 26 décembre avant midi, je, Soussigné, missionnaire de Soulanges, est inhumé dans le cimetière de cette paroisse, le corps de Magdalene Hélène, veuve de Guillaume Lalonde, morte d'hier subitement, âgée d'environ 80 ans, enterrée selon les cérémonies ordinaires, en présence de Jean-Baptiste Bissonnet, de Joseph Chalbonneau et plusieurs autres qui ont déclaré ne savoir signer de ce en qui, suivant l'ordonnance. Signé F.R. Elzéar Mauger, prêtre récollet missionnaire. Précédemment, je parlais des ancêtres de Josiah Rising, Abigail Nim et Thankful Stebbin. Guillaume et moi avons eu plusieurs descendants connus, comme Alain Chartrand, fils de Michel Chartrand et Simone Monet. Ma belle enfance, adieu souvenir de mon beau pays. Là-bas déjà le printemps recommence. Qu'il est loin le soleil de l'exil. Qu'il est loin le soleil de l'espoir. Mon Dieu, rendez-moi ma tendre enfance. Le bord de la mer, mes jardins fleuris. Ici l'hiver déjà recommence. Qu'il est long le chemin de l'oubli. Qu'il est long le chemin de l'amour. J'ai envie d'être heureuse, mais me voilà amère. Mon Dieu, rendez-moi les parfums de la mer. Je désespère de vivre dans ce pays trop grand.
mon Dieu, rendez-moi le bonheur de l'enfant. Mon Dieu, ramenez-moi les joies du dimanche. Laissez-moi rêver jusqu'à la fin avril. En mai ici, la vie recommence. Qu'il est long le chemin de l'exil. Qu'il est long le chemin de l'exil.